Salut! Moi c'est Lilith et on se retrouve avec Estelle. Hello. Et Pastel pour tester des astuces bizarres qu'on a vues sur Instagram pour appliquer le fond de teint. Nous avons plusieurs objets. Oui. Ce préservatif licorne. Et la fusée NASA, oui. Ils ont tout compris. Oui. Bonjour. Les trucs qu'on peut mettre dans notre soutien-gorge. Oui, pour donner du volume. Et là, on va faire mes seins, le Beauty Blender. Bon, et bien, on va commencer par le front avec le rembourrage de seins. Donc, on prend chacun notre fond de teint. Tu mets déjà dessus ou... Moi, j'ai envie de faire... Enfin, en tout cas, avec mon petit... Moi, je mets directement sur le front, genre. Mais j'en mets un tout petit peu, en fait. Moi, je vais faire sembler comme si j'étais une maquilleuse professionnelle. Ah, ouais. Okay. Tu sais. Excuse-nous. Mais non, mais c'est horrible à appliquer, les gars, je suis désolée. Pour moi, c'est plutôt sympa. En tout cas, c'est tout. La sensation est pas désagréable. Ça ne laisse pas de traces, donc ça, c'est bien. Non, mais pour l'instant, moi, personnellement, ça... Ça va, franchement, ça va. Ça va. Cela fonctionne. On valide le... On valide. Ouais. Le boobs. On valide. Donc, la suite, c'est la joue. Ouais, on fait qu'on commence par quoi? Le ballon et on garde le meilleur pour la fin. Ok. Mmh. Comment on va mettre la pâte à modeler là-dedans? Il faut gonfler ou... J'ai une suggestion, ouais. Tu sais. D'accord. Donc ici, je suggère de mettre la crème, car c'est plus facile. C'est vrai. Je ne sais pas quelle quantité. Ah ouais, c'est ça le truc aussi. Oui, c'est ça, ouais. Moi, j'aime bien les galères, donc je vais essayer d'en mettre dans le... Ça marche? Voilà, c'est tout. Oui, ça marche. Bah, je sais pas, est-ce que ça rentre... Ah! Mais non! Mais non, c'était sûr! Merci, Estie, la classe! T'as appuyé? Mais non, mais j'ai juste regardé si ça... Il y en avait... Oui. Non! C'est que dans ma main, c'est pas non, mais pour être tout à fait honnête, on savait qu'il allait arriver ce genre de choses. Les revanches, bientôt les revanches. Non, je crois que c'est impossible en fait. Peut-être que tu prends trop de matière. Ah, peut-être, ouais. Peut-être que tu fais des petites... Ouais, vaut mieux pas se maquiller dans ces cas-là. Faut suivre les suggestions. Mais ça rentrera pas, c'est pas possible. Si, regarde, j'ai réussi, moi, j'en ai mis un peu, mais bon. Ah! Bah c'est bon. Bah oui. Ok, bah je pense qu'on a déjà... Il y en a pas mal. Le vrai challenge, c'est de le fermer car ça glisse avec la crème. Toi, la crème, ouais. Moi, perso, c'est bon. Hein. Mais moi, je pense qu'en fait, le mieux, ça aurait été juste de le gonfler un peu et de faire comme ça. Hein. Si t'arrives encore à le gonfler. Hop là. Au moins, ça fait une boule maintenant. Je sais pas si ça va être très pratique, en fait. Bon, bah, on va tester, on y va. Allez. Je crois que je vais mettre plus de pâte à modeler sur la tête que de fond de teint. Ah, d'accord. Maintenant, ce n'est pas hyper gonflé, mais si j'appuie dessus... Ça crée une texture intéressante. Jamais de la vie, j'aurais imaginé faire ça, les gars. Oh, moi non plus. Alors là, non. Non. Ça colle et tout, c'est trop... Non. C'est quoi ce bruit? J'aime pas trop, en fait. Ça colle. Ça ne glisse pas assez. Ouais. Bah écoutez, moi, ça marche. Ah, mais toi, t'as une peau aussi, hein. Et on peut pas l'estomper, en ouais, fait. Ouais, c'est ça, le problème. Mais moi, ça s'estompe bien. Vous êtes bizarres, les filles. Moi, je valide pas du tout. Tu sais, pour moi, ça marchait sur les joues, mais autour du nez, pas du tout. Je trouve que ça fait un fini mat. C'est vrai. Non, c'est vrai. T'as vu? Ok, bon, moi, personnellement, je valide également. Attends, moi, pas trop. Problème de nez. Sur les joues, ça va, mais autour du nez... Je suis d'accord. Et bien, pour terminer, le meilleur pour la fin. Préservatif licorne, les gars. Ils sont véganes, sachez-le, tous les préservatifs ne sont pas véganes. Voilà, pochon, comment allez-vous? Et... On peut en profiter pour vous dire de les utiliser à bon escient, hein, au lieu de vous amuser à vous les mettre sur la tronche. Mais arrête, voyons. Donc on part tous sur la méthode avec la pâte à modeler dedans, c'est ça? Putain, c'est très très bizarre ce qui est en train de se passer. La technique de pro. Ensuite, on peut le modeler. Ça fait des vieux bruits. Oh merde, elle s'est craquée. Ah bah voilà. Je vais prendre un deuxième. Et vas-y, Estelle. Mais comment vous avez fait? Oh, il est bien le tien. Mais il est magnifique. On dirait un Beauty Blender. Tu es contente? Ouais, je veux bien vous. Allez, j'étends, tu veux de l'eau. Au bout, hein. Le réservoir, il faut toujours pincer le réservoir. Allez. Ça marche. J'ai l'impression que ça marchait bien sur les joues. Sur les joues, c'est juste parfait. Puis sur le nez, je ne crois pas que ça va marcher car dans les plis, ça ne va pas rentrer. Mais je vois pas la différence par rapport à les autres. Ça fait un bruit, t'as toujours passé. Ça fait toujours un bruit. Peut-être que j'avais créé une forme spéciale qui va rentrer dans les plis autour de mon nez. C'est vrai, non, c'est vrai, ça marche bien. J'aurais jamais pu penser ça, mais vous savez quoi? Un artiste, ça peut
servir à plein d'autres choses. Pour plein d'autres choses. Et est-ce que vous pensez qu'une de ces techniques, c'est mieux qu'une éponge classique? Franchement, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des trucs comme ça. J'achète une éponge et puis voilà. Moi, je suis un peu contre, ça fait beaucoup de gâchis. C'est rigolo une fois, quoi, mais après, ça n'a pas grand intérêt, quoi. En tout cas, cette texture, j'aime beaucoup. Et toi, tu choisis lequel? Moi, je trouve ça un peu naze, le 3. Ouais. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais si je dois en choisir un pour le résultat, je pense que c'est plutôt le boobs. Moi, je le referai pas, j'utiliserai pas. mais en tout cas, les trois ont bien marché sur mon visage, donc je valide pour les trois. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez envie de tester ces techniques. Si vous allez les faire, dites-nous comment ça va se passer. Si vous avez d'autres idées d'astuces Instagram à nous faire tester, mettez-les nous aussi, on testera ça avec grand plaisir. Carrément, et abonnez-vous à notre chaîne juste ici. Activez la cloche pour avoir les notifications. Nos vidéos précédentes sont juste là, sur les côtés. Et nous, on vous dit à bientôt. Ciao.